Famille, on voit ça qui m'a dit. Burkina Faso, l'un des premiers pays du continent africain à s'être libéré de l'oppression coloniale française. À défaut de mettre le pied sur la terre mère, ou peut-être en attendant, si Dieu veut, de mettre le pied sur la terre mère, au moins je pourrais mettre quelque chose qui vient de là-bas sur mon corps et notamment dans mes cheveux. Et si vous voulez des huiles aussi, de bonnes huiles, n'hésitez pas. Ouais, monter en ville jeudi là, c'est là que ça se passe. Juste en face de la pizzeria Mwaka Pizza de Kevin Valray. C'est un antipuce, c'est un antitique. Alors ça, par rapport aux chiens et aux animaux, souvent dans les shampoings naturels qu'on trouve antipuce, antitique, antiparasitaire chez les chiens, il y a de l'huile de neem à l'intérieur, tellement que c'est efficace. Mais vous pouvez fabriquer aussi votre huile, votre shampoing pour chien antiparasite, en mettant de 5 à 10% d'huile de neem dans le shampoing vétérinaire de votre chien. Donc il existe directement des shampoings antiparasitaires qui sont tout prêts, que vous pouvez acheter si vous n'avez pas envie de faire un mélange. Mais il y a aussi la possibilité, je vous dis, de mettre entre 5 et 10% d'huile de neem dans votre shampoing classique. Et ça permet, en laissant agir, et bien, ça permet aussi d'enlever les puces et les tiques, tout simplement.